Dans la personnalité de Jésus-Christ, il y a la nature de l'aigle. La première chose que je constate qui permet de donner un caractère formidable à l'aigle, qui le distingue des autres animaux, c'est sa vision. Dans le monde de la révélation, la vision est essentielle. L'aigle a un regard perçant, il voit très loin. Sachez que l'aigle a la capacité de voir très loin et de voir d'une manière très exacte. Et naturellement, c'est un avantage parce qu'il a la capacité de percevoir parfois même ses proies sous l'eau. Il a la capacité de percevoir ses proies dans des broussailles, tandis qu'il est très haut dans le ciel. Il perçoit. Donc, il a une vision précise. Et à la limite, il a la capacité de voir certaines réalités, mais il les perçoit comme les humains ne peuvent les percevoir. Et ça, ça lui donne déjà un avantage, parce que si vous avez les yeux de l'aigle, cela voudra dire que vous aurez la capacité de voir à partir de très loin quels sont les événements qui doivent arriver. Et c'est un avantage parce que activer, n'est-ce pas, la vision de l'aigle peut vous permettre à partir des 10 ans à venir de percevoir tous les événements qui doivent arriver et de prendre des dispositions dans la prière, soit d'une manière préventive, soit d'une manière curative, pour que ces événements-là finalement concourent à votre bien. Et donc, la Bible dit, mon peuple périt sans vision, mon peuple est sans frein. Ça veut dire que la dimension de la vision est essentielle pour marcher avec Dieu. Parce que quand on voit, on sait où on va. Quelqu'un a dit à juste titre, avant que Dieu n'appelle la lumière à l'extérieur, à une manifestation extérieure, parce qu'il est lui-même une lumière, j'allais dire, impénétrable. Avant qu'il appelle la lumière à manifestation dans les ténèbres, tout lumineux qu'il est, il se trouvait aussi dans les ténèbres. Or, le but pour lequel la lumière est manifeste, c'est de nous permettre de voir. À partir du moment où la lumière devient impénétrable, elle a déjà l'aspect des ténèbres. Sans être ténèbres, qu'un chrétien qui n'a pas de vision, n'a pas d'interrupteur pour allumer la lumière dans sa maison. Or, si tu n'allumes pas, tu peux deviner où est la cuisine. Tu peux deviner où est la chambre, mais tu ne marches pas dans la lumière. Tu marches dans les ténèbres. La vision apparaît alors très importante parce qu'elle nous permet de voir et de percevoir dans le monde invisible les événements à venir. On ne navigue pas en esprit sans recevoir l'impact d'une personne qui a la vision pour te donner la vision. La vision d'un aiglon vient de l'aigle. L'aiglon a été formé à l'intérieur par des matériaux qui viennent de sa maman. Tu ne trouves pas la vue avec Jésus. Tu trouves la promesse avec Jésus. Tu trouves la vue par la communication de ce don-là au travers de quelqu'un qui voit. Ananias a donné la vue. Il a donné la vision à Paul. Regardez, quand on l'a appelé Paul, c'était Saul de Tarse. Hein. Quand il a eu la vision, son nom a changé. Parce que ce qu'il faisait là, ce n'était pas son travail. Il a trouvé son vrai travail quand il a eu la vision. When he had a vision. L'église Ambassade des Miracles organise son temps de jeûne et prière du 1er au 26 février 2023. 26 jours de jeûne et prière, 26 jours d'intimité dans la présence de Dieu, 26 jours pour asseoir la parole de Dieu dans ta vie avec des orateurs de taille, apôtre Wangui Bernard de la Côte d'Ivoire, apôtre Yaoudra du Togo, prophète héritier grâce de la RDC, bishop Ouattara Mohamed Idriss, pasteur hôte de la Côte d'Ivoire et un orateur surprise. Thème, délivré de la force, psaume 103 verset 4. Date du 1er au 26 février 2023. Rendez-vous du lundi au vendredi de 18h à 20h30. Dimanche, deux cultes, 7h, 10h et 11h, 14h. Lieu, siège de l'église Ambassade des Miracles. Cocody, deux plateaux, Carrefour Duncan, route du Zoo. 2023, année de la grande victoire. Infoline, plus 225, 07 59 200 200.